Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. On est en 1900, bientôt 1934, il reste que 2 ans de jeu. Mais normalement, enfin, à ce qu'on m'a dit, je peux continuer la partie après, donc c'est l'objectif. Je suis en train. Tiens. J'ai mis personne sur le front. De conquérir l'Oman. Ah ouais non, j'avais pas pensé. J'ai ramené personne. J'ai aucune troupe mobilisée. Voilà, donc je suis en train de conquérir l'Oman pour deux raisons. La première, la deuxième. Non, la première c'est le pétrole et la deuxième c'est histoire d'avoir des territoires beaucoup plus uniformes. Allô, mouchi mouchi. Merci. Voilà. On m'a fait une remarque qui est... Alors, attendez. Mon tour équatorial part parfois en langue natale dans les écoles en Allemagne. Certains ont demandé aux enseignants de pénaliser l'usage de cette langue pour mieux les enfants à utiliser la langue officielle de l'Allemagne. Bah, qu'il la parle en langue secondaire, ça me va, mais qu'il la parle en langue première, ça me va pas. comme dit l'expression, à Rome on vit comme les Romains. Je suis d'accord, ça fasse partie de leur héritage. Plus d'assimilation. Ah, y a beaucoup de radicaux. Ah, mais les radicaux par discrimination, je m'en fous, je n'ai pas de discrimination là-bas. Je mets pause, il y a une sécession patchoun. Je pensais avoir fait ce qu'il fallait. Non, je vais mettre ça, le truc c'est... ça a augmenté l'assimilation. Bon, sécession patchoun, ça c'est pas cool ça. La culture patchoun n'est pas discriminée en Allemagne, ouais. Où est-ce que j'ai des patchoun? J'aimerais bien savoir, c'est par là de ce que j'ai compris. Non, c'est pas en Afghanistan de l'Ouest, non. Ouais, si, Patchoun, mais ils sont pas principaux. Patchoun. Ok, c'est encore en Afghanistan. C'est fou, ça. Pourtant, j'avais pas mis... des décrets pour éviter ça. J'ai une répression violente là, j'ai une autre répression violente là, mais je manque d'autorité. Répression violente au Texas, c'est pas fini ça encore, c'est vrai? Oh la vache, ah ouais non, c'est pas fini. Bon, bah on dirait que je suis bien reparti pour une autre session. Prolétaire en Himalaya. Ah ouais. C'est pas l'eau ça. Vraiment déjà le pays qui est pas très grand. Population 30 000. Population 90. Putain, ça doit être bien d'être dans un pays avec une petite population comme ça. Oh, de temps en temps ça doit être reposant dit. Tu te prends pas le chou. Bon, il doit y avoir bien des inconvénients. Mais au moins de temps en temps tu vois, tu dis ah, oh, ça te prend pas le chou pour ça. Hein. Oui, donc je disais.
C'était totalement parti. On m'a fait la remarque qu'il y avait des mines de soufre en France, là où le soufre est, on va dire, assez rare. Je suppose que c'est dans l'Est et pas dans l'Ouest. Bah. Oui, pas de chance, c'est sûr. Bah merde. Ils sont où? Bon là, s'il y avait du soufre, je serais au courant. Dans le Nord? Bah. C'était en Alsace-Lorraine, hein? Bah non. Bah c'est quoi ce délire? Non, parce que pour le coup, je suis à peu près sûr qu'il y en ait. Alors au moins qu'ils aient changé lors d'une mise à jour. Ah voilà, je suis passé à côté. Ok, d'accord. 41 sur 40, ok. Il y en a en Auvergne. Par contre, il y en a qu'en Auvergne ou... Bah, c'est fou ça. Bah, il y en a qu'en Auvergne, je suis un peu déçu. Bon, j'irai chercher l'Occitanie, hein. C'était prévu. Bon. Ah ouais, bah ils refont. Ah ouais. Bon, il commence à me saouler. Il m'énerve vraiment beaucoup. Ça fait deux fois. Envoyer ici la majorité des gens. Voilà, on va leur envoyer du monde. Faut leur apprendre à se tenir tranquille. Et au besoin, on fera plus de répression violente. Bon, répression violente. Hop là. Hop là. Oh, le sud de l'Italie aussi. Ça a pas marché. Si, ça a marché. Est-ce que je retirerai pas certaines choses? Pot de consommation, service. Moins 200, ça me ferait 3. Ouais, ça me ferait 3. Ah non, même pas. À peu près 3 supplémentaires. Ok, j'en ai une qui est terminée. Ça tombe bien. On va rajouter. Territoire britannique indien, j'en ai rien à foutre. En campagne. On a beaucoup en... Ouais, trentaine de pourcents. Là, on est à 50%, mine de rien. La vache. Ouais, faut la faire baisser la répression. Enfin, l'agitation. Comment il me rapporte cet impôt sur la coupe? Wow. 2 600 000. Peut-être pas le faire baisser de suite. Peut-être pas l'arrêter de suite. On va le garder. Hein. Ouais, on va le garder. Ça me paraît une bonne idée. Bon, le bon côté. C'est que les deux conflits vont commencer en même temps. Peut-être que je perdrai pas trop de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais même. Oh, il y a des invasions navales ici. Comme ça on est sûr. Voilà. Là ça va être long. De mémoire c'est long. Il faut que je prenne ça. Pourquoi? Comment ça je suis en guerre contre l'Empire Sikh?
J'avais pas le truc dispo là, ah, c'est pas bon ça. C'est pas grave. On ira chercher les SIC. Écoute, j'avais pas de soucis avec eux, apparemment ils en ont un avec moi, on ira les chercher, y a pas de problème. Donc les SIC avant l'Occitanie. Là c'est conquis, là c'est conquis. Ouais, là ça va tomber tranquillement à l'Oman et là ça va prendre plus de temps. Parce que dans ce coin, je sais pas pourquoi les batailles sont longues. Manœuvre surprise. Ouais, l'Oman tombera, je pense, assez rapidement. Contrairement au reste. D'ailleurs, on va préparer les traités. D'accord, là, j'ai pas le droit. Là, j'ai rien le droit de mettre, hein, c'est bon. Là. Là, il y a des débarquements, mais je sais pas combien de temps. 2 jours? Ouais, c'est bon. Elle est où leur capitale? Elle est là. Ils font bien le tour. C'est vraiment ça leur capitale? Non. Ah, bah si. C'est vrai que dans Rome 2, c'est une ville aussi ici. Une ville commerciale ou un truc comme ça. Allez, gars, on avance, hein. Allez. Ok, là j'ai un nouveau front ici. Mes invasions navales qui ont réussi là. Les deux ici apparemment. Ça me permet d'avoir un double front. Impeccable. Ils vont abandonner vite fait. Je vois que je peux refaire un autre décret. Il y a moins d'endroits où je dois faire de répression violente, ça c'est une bonne chose. Savoie, c'est quand même en province, je veux dire. Bizarre ça. Sans combien? Ok. Ouais, il me semble que j'ai fait de la répression par là-bas. Ça a marché comme il faut. Ouh, moins 48% de collecte d'imposition. Moins 29. Oh la vache. Ouais, je crois qu'il va falloir que je fasse quelques. C'est où? Quelques administrations gouvernementales. C'est là. Voilà. Et là, je vais en refaire une trentaine d'années. Alors. Bon, les mecs, déployez-vous, il faut au moins, je sais pas, faites un effort. Ah, quoique, vous avez peut-être pas l'accès en fait. Bien sûr que vous avez l'accès. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà. Il y a plusieurs fronts. On est en supériorité numérique.
Faut pas hésiter. Soit en infériorité, je dirais garder un front et essayer d'en faire un seul, mais là. Enfin, essayer de... Quand t'es négatif, t'as plusieurs choix. Tu divises et tu forces un endroit en supériorité. Ou t'essaies de bloquer, mais bon, ça marchera pas. T'essaies de fatiguer les troupes ennemies, mais bon, ça marchera pas indéfiniment. Si t'as pas de soutien. Par exemple, si t'as pas une personne qui l'attaque sur un autre rond derrière, ou etc. Ok. Là, ça avance. Là, ça avance. Hop, j'en ai vu un là-bas. Hop, allez, tu tires en vite. L'Empire Sikh. Tu as décidé de faire des bêtises. Grand bien t'en fasse. Je vais te montrer qu'il faut éviter les bêtises avec moi. Là, ça fait je sais pas combien de fois les pauvres ils sont en rébellion, machin. Ouais. Non, toi pas, ok. Bon. De toute façon, je suis obligé d'attendre. Je peux plus l'en passer sans, sur l'Empire Sikh. C'est quoi ce délire? Au moins que ça soit compté comme un gros front et. Boukhara radicaliste. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais c'est tout en même temps. Hein. En plus, il y a mes troupes juste à côté, quoi. Ils ont vraiment pas choisi le bon moment. Hein. M'envoyer tout, parce que, ils commencent tous à me saouler. Bon bah ce sera dans l'ordre l'Empire Sikh et le Boukhara. Faire un autre décret, répression violente. Ah non. On va faire un pouillesse. Et en campagne, ça donne quoi? Ah bah en campagne, c'est déjà fini la répression violente. Tiens. C'est vachement plus efficace là-bas. Ok, l'Oman, c'est bon. Vraiment tombé leur capitale là? Ah mais c'est les montagnes. Je crois. Ouais voilà. Ils seront combien à défendre? 15 plus 25, ah quand même. Petite perte de temps, c'est pas très grave.
là ça a avancé. Ça devrait accélérer. Ah mais non, le SIC, ils sont avec nous. Ah ouais? Ok. Bon. Bah ça me va. Par contre, eux, ils veulent la paix, hein. Oh la vache. Il faudra récupérer ça. Alors, j'en profite, je vais faire un petit tour sur le marché. Oh putain. Ah. J'en ai quelques-unes là. Tour ça à prendre, mais oh là là. C'est de nouveau cher. Et j'ai besoin d'électricité. On va aller le faire. Non. En Almacie. Ouais, j'ai plein de sans-emploi, c'est parfait. Hop. Une création de 251 centrales électriques. Là. On va mieux faire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ça m'a l'air correct. Bon. On est reparti pour un tour. Qui est encore non, il y a de la dévastation. On peut pas faire une occupation là. Ça c'est dommage, ça, il n'y a pas d'occupation. C'est vrai que ça pourrait être utile. Oh, je viens de voir, on vient de passer le palier des 800 millions d'habitants. Palier symbolique des 800 millions d'habitants, c'est fait. Ouf. Oui, du monde là. Ouais, oui, vas-y, n'ayez pas. Hop là, voilà. On va leur envoyer du monde. Putain, j'ai oublié ça. Ah, les salauds. Il y a quand même un demi million de population ici. Ah, c'est propre. Bon, je suis là pour vous écraser les mecs. Un point c'est tout. Vous m'avez saoulé. Alors. Même les mines de... Oui, c'est vrai que les mines de fer, j'en ai plus. Les mines de plomb, il n'y en a pas tant que ça. Je sais plus s'il est cher ou pas mon plomb. Non, il n'est pas cher. Les mines de charbon, elles sont... Le charbon est cher. Enfin, cher. Ça va, mais... Il n'est pas non plus de premier prix. Oui, merci. Voilà, ça devrait baisser le un peu le prix du charbon. Qu'est-ce qu'ils font les Anglais? Ok, assez. Ah ouais. Ah comme ça, ok.
Bon, oula, ah ouais, bon, le front nord là, je les déglingue. Oups, ouais, bon, leur capitale elle est là. Ah mais d'accord, je viens de comprendre. Ah, t'as eux qu'on fait sécession aussi en fait. Ok, non bah les non, ok, non l'Empire Sikh ça va. Alors, vous avez de la chance, je vais pas aller sur vous. Par contre, je vais aller sur le Boukhara direct. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait deux états en fait ici. J'ai déjà vu. J'ai augmenté la population de 1 million, c'est pas vrai? Ok, bon, il reste une petite partie de la ville ici. Ah ouais, bon, ça a été rapide. Par contre. Comment ça, je peux pas? Ah, ça c'est. Ah, les protectorats, c'est terrible ça. En plus, ouais, je perds du temps sur un protectorat quoi. On peut pas taper sur les Anglais. On peut pas taper sur eux. On peut taper sur eux. Ouh. Je vais leur demander le Tibet et la Corée. Toujours pareil, il faut les affaiblir. Ça apparemment. Ah, ok. Bon bah qu'est-ce que je peux demander? C'est rien. Attends, il n'y a pas. En plus ils sont pas incorporés là leur territoire. Il n'y en a pas un avec du soufre dans le coin? Oh je vérifie, on sait jamais. Ouais si mais il est en plein milieu, oui. Là, on va agiter. Un peu de fer. Un peu, oui, vraiment un peu. Quand on dit un peu, c'est un peu. Après il nous le cédera sûrement. C'est un peu ce que je veux aussi, qu'il me cède la demande sans aller beaucoup plus loin. Comment ça, shogunat japonais? Bah écoute, on va annexer le shogunat japonais vu qu'apparemment il veut défendre. Il veut défendre son voisin. Très bien, il n'y a pas combien lui fasse. Hop, je vais en envoyer un en défense. Je mets un stratège défensif là quelque part. Oui, voilà. Ici, voilà. Et ben défensif, il est bon.
Oh, je dois peut-être en avoir un autre quand même. Stratège défensif expert, voilà. Et lui, ce qui fait que je peux le mettre en état d'alerte. Alors. Ensuite. Je peux pas faire transférer le sujet. Ça, c'est con, ça. Je fais libérer le pays. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a une chier. Par contre, si je fais libérer la Mongolie, c'est un sacré morceau. Hein. Le Yunnan, c'est par là, si je me trompe pas. Merde. Oui, si, c'est là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal dans le sens. Au moins que tout simplement je prenne les territoires. Ouais, ça c'est un peu chiant par contre, la libération du sujet. Je peux pas le récupérer quoi. Ouais, on va faire libérer le pays. La Mongolie, je pense que ça c'est important, demande de promotion. Tu me forceras pas la main. Ok. A pas de prévisu, c'est ça qui est dommage. Récupération des terres. Nice. Et ça m'a fait finir cette entrée normalement. Ça devrait. Voilà. Non, pour le reste, je veux juste conquérir des terres. Donc, on va prendre le Ili. Le Tomsk. Pourquoi j'en ai à. Ouais. Ils doivent pas être très chers. 17 quand même. Hein. Tout va. Taille. Je sais pas si j'ai encore ce qu'il faut. Apparemment, ouais. C'est où? Je passe à côté? C'est quoi ce délire? J'arrive pas à trouver. Moi je l'ai déjà mis, mais sans le faire exprès. Bah non. Je peux pas? Parce que c'est. Peut-être parce que j'ai pas le. J'ai pas d'accès direct, alors peut-être qu'il me le refuse. Par exemple, là, si je regarde au niveau du tien. Bah si, il est là. Ah, il doit y être, mais je dois passer à côté en fait, hein, genre. Je dois avoir de la merde dans les yeux. Uliastai, alors.
Ah. Shion Kanzo niwa shionji. Bah. Non, vraiment, je le vois pas lui. C'est étrange, ma foi. Bon, bah, je vais lui prendre la chaîne Ninja. Elle coûte directement un peu plus cher. Un peu photo. Urga. Je sais pas si je peux prendre Urga. Je le vois pas non plus. À moins qu'il soit tout en haut et je l'ai loupé, mais. Bah non. Je peux pas, je vois pas les deux Lurga et Lulia Stai. Tiens, c'est étrange ça. Ça m'arrange pas non plus. Je m'étonne. Le qui résistant. Je sais pas ça si. Ouais, bon. Bah ouais. Je vais voir s'il en reste un ou deux. Allez, on va prendre le Tian Shan. Voilà. Bon. Bah pourquoi pas? Oui, mes troupes sont en déplacement. Et surtout, on mobilise trois troupes pour débarquement et même un peu plus pour après tenir l'endroit. On va aller sur la capitale, hein. Classique, efficace, voilà. Ok, on a découvert du pétrole, ça c'est bien. 12, c'est toujours bon à prendre. Pas besoin, je crois que j'ai déjà pas mal de sans-emploi. Ouais. Ouais, faut que je profite pour affaiblir les gros morceaux tant que je peux encore. Enfin. Maintenant, vu que il faut les affaiblir beaucoup pour pouvoir les annexer. Faire un état fantoche puis les annexer. C'est vrai que j'ai mis pas mal de trucs à construire. C'est pour ça que c'est. Pour ça que j'ai un solde un petit peu négatif là en ce moment. Bon, alors donc, il va y avoir deux débarquements à faire. Un à Okansai. Oui, c'est ça. J'allais dire à Edo, mais Edo, c'est une forme, c'est le Kansai. L'ancien nom que portait le Kansai. Et un autre forcément en Beijing. Pas les armures mobiles. Ah, dommage.
Mine de rien, ils sont nombreux par contre. Je vais juste voir un truc. Par pur hasard. Ils se battent avec quoi comme. C'est quoi leur techno? Je peux pas voir. Parce qu'ils ont pas beaucoup en attaque ni en défense. Hein. Oula. Chacun tue l'objet de son amour. Le tristement célèbre dandy dramaturge Luitpold Kreisesen a été condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité. Ah bon? C'est nouveau ça. En train de s'appeler verdict de juge. C'est vrai qu'à l'époque c'était mal vu. Oui, une dérogation pour tous ceux. Moi je dis une dérogation pour tous les homosexuels, y a pas de problème, hein, pas besoin de travaux forcés. Oui, effectivement, ça deviendra plus une dérogation, ce sera la loi, quoi. On peut pas changer ça. Un petit peu en avance sur le temps, mais tant mieux. Allez, bon, oh, je vais finir l'épisode là-dessus. Je vais sûrement attendre que le conflit démarre pour le prochain épisode. Voilà, donc on a prévu de conquérir un peu de territoire. Pas très peuplé, pas très riche, mais juste histoire de agrandir un peu notre pâté. Et il y aura aussi sûrement, on arrivera à la fin de partie classique. Je pense au prochain épisode. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain. Pour le prochain épisode, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiom. Ciao.